Les gars, je suis en compagnie de Unchained et Cradock et aujourd'hui on se retrouve pour un concours de bulles pour gagner 1000 euros. Les gars, est-ce que vous êtes chaud ou pas là? Je suis prêt à montrer tout mon corps tout nu. Ok les gars, on aura 4 constructions à faire. Celui qui fait la meilleure construction gagne 3 points. Celui qui fait une construction moyenne gagne 2 points. Et le tout pourri gagne qu'un seul point. Et celui qui a le plus de points à la fin de la vidéo gagne les 1000 euros, les gars. C'est facile, je vais tout gagner moi. En fait j'ai pas envie de donner les 1000 euros, du coup je vais tout donner pour pouvoir gagner. Moi je me suis entraîné depuis mec, crois pas hein. Je sais comment faire une porte. Wow, on est sur un truc. Du coup les gars, on va devoir chacun notre tour choisir une construction. Qui veut commencer? Moi. Non moi. Non finalement c'est moi. Ok du coup Unchained, je vais te laisser choisir pour la première construction. On a pas le droit de tricher, d'accord? Interdiction de faire des trous dans le mur pour voir ce qu'ils font les voisins. D'accord, je vais pas du tout tricher. Alors les gars, le premier thème c'est de faire le Saint Graal les gars. On va devoir construire le plus beau trophée YouTube. N'importe lequel? N'importe lequel. Tu sais, il y a celui des 100 000, celui des 1 million et celui des 10 millions. Ok les gars, vous allez avoir 10 minutes. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Non. 3, 2, 1, c'est parti. Ok du coup on est parti les gars. On va faire trophée de base. On va faire trophée des 100 000 abonnés parce que on va pas se prendre la tête. Non vous savez quoi, j'ai une idée de fou en fait. On va faire le trophée mais OG, genre l'ancien. À l'ancienne il y avait un trophée YouTube qu'on peut plus avoir maintenant, mais il était grave stylé. Ok les gars, je sais exactement comment je vais faire. Je vais faire celui les gars des 1 million d'abonnés. Et par contre il faut déjà qu'on commence parce que le trophée des 1 million d'abonnés, hop petite photo ici les gars, c'est un trophée qui est en or. Quelle est la brique qui pourrait ressembler le plus à ça? Bloc de miel? Non c'est nul. On va faire un trophée un peu comme ça. Du coup là ce qu'on va faire c'est on va commencer simplement par le contour les gars. Ok, je pense que niveau dimension on est pas trop mal en vrai. Comment je vais le faire? Moi je vais le faire directement en hauteur. Ok maintenant je vais devoir mettre du gris comme ça partout les gars. Je vais devoir remplir tout. Ok c'est plutôt pas mal là comme hauteur, j'aime bien. Ok les gars, en vrai là j'ai fait le contour de mon petit trophée YouTube, mais j'ai un peu envie d'aller espionner les autres. Du coup les gars c'est exactement ce qu'on va faire, mais je vais pas le faire n'importe comment. Ce que je vais faire les gars c'est que je vais me creuser un petit tunnel et je vais tout simplement aller par en dessous, me faufiler un petit chemin les gars. Oh les gars regardez, je peux voir le trophée d'Unchained qui est juste ici les gars. Unchained il a fait un trophée en or aussi les gars. Ok, je suis en train d'espionner Unchained les gars. Attends, j'espère qu'il va pas me voir les gars, moi je vais vite aller de mon côté. Ok maintenant va falloir que je fasse l'espèce de logo YouTube bien comme il faut. Pour ça je vais faire ça je pense comme ça. Allez vite. J'ai mal à la main, je pose 15 000 blocs par seconde là. J'ai mal à ma main, j'ai envie de faire caca. On a la moitié du temps, il nous reste 5 minutes, attendez je vais leur dire. Les gars, vous êtes à la moitié du temps, il vous reste 5 minutes pour faire votre petit trophée YouTube. Ça va de votre côté ou pas? Pour l'instant ça va hein, tu sais que là je suis en train de faire un truc, je pense que personne n'y a pensé. Ah ouais? Là c'est, non franchement c'est trop stylé. Unchained de ton côté toi c'est comment? J'ai mal à la main mec, c'est horrible. Je vous cache pas que moi mon petit trophée il est vraiment horrible. Du coup on va gagner en fait si je comprends bien. Là c'est parfait les gars, on va le mettre un peu des petits crochets ici pour faire un petit mode arrondi tu vois. Là les gars on va monter, regardez je vous montre la petite technique pour faire un triangle sur Minecraft. Là on enlève les deux en haut, les deux en bas, on met là, là et on met au dessus les gars et on a tout simplement le petit logo YouTube les gars. Ok les gars, j'ai fait mon trophée, c'est ignoble les gars. Oh, c'est trop moche. En fait ça avait pas une texture bien lisse. Du coup c'est vraiment dégueulasse quoi. En fait j'ai trop la haine. Non les gars, ça va être trop compliqué là. Du coup les gars, là c'est le trophée des 1 million d'abonnés YouTube. Les gars, je l'ai pas encore ce trophée des 1 million. Et oui les gars, je l'ai pas encore. Du coup je compte sur vous pour vous abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent les gars. Moi ça m'aide beaucoup. Par contre en or je trouve ça fait vraiment dégueulasse les gars. Pourquoi moi je choisis un truc trop gros si je suis nul frère? Là maintenant il faut que je trouve de la laine blanche. Bloc de neige peut-être. On va devoir écrire 1 million. Du coup les gars, en bas du logo, il y a écrit, il y a le logo YouTube déjà. Donc là, on va faire 1, 2, 3. On va refaire le petit logo YouTube. Et après, il y a écrit YouTube. Le logo YouTube, on va le décaler du coup. En vrai, les gars, on va juste écrire DHM. Tu sais quoi, on va écrire DHM. Faire un D, je pense qu'il faut faire ça. Ok, voilà les gars, le petit D. DH. Les gars, c'est bientôt fini. Du coup, on va essayer de se speed un peu. DHM, les gars. Ok, les gars. Là, c'est pas trop mal. Je vais aller voir les autres pour leur dire qu'il reste très peu de temps. Les gars, je vais vous demander de vous démute parce que c'est bientôt terminé. Ok, ok. Il reste 1 minute. Non. 1 minute. Ah non, c'est pas beaucoup mon gars. Ah les gars, c'est les règles. Il est vraiment magnifique hein. Ouh là là. Genre vraiment magnifique, magnifique ou c'est menteur? Il est magnifique. Les gars, il reste 20 secondes, vite. Je fais mon logo YouTube moi, j'ai quasiment terminé. Et là t'es, et normalement moi j'ai fini les gars. Oh là là, qu'est-ce que c'est dégueu, magnifique. 3, 2, 1, c'est terminé. Les mains en l'air. Du coup, Unchained, c'est toi qui avais choisi le thème. Du coup, on va commencer par toi et on va venir voir ce que tu as fait. Bienvenue les mecs dans mon endroit incroyable. Oh là 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 là, mais attends, mais...
Ils sont tellement mieux en fait les tiens. Je suis tellement mort les gars. Je suis tellement jaloux de son trophée gros. Alors les gars, moi je flex parce que bah voilà, moi j'ai les 100k et le million, du coup j'ai fait les deux. Après ça compte pas, ouais, toi t'es un modèle dans la vraie vie frère. Ouais je vois, c'est de la triche ça. C'est pas comme si tu le connaissais pas et tu l'avais jamais vu. Je l'ai vu chez toi. Alors du coup c'était compliqué parce que c'était big à faire. Un M parce que c'est le trophée du million en or bien sûr, le logo en transparent bien entendu. Et le 100k, il est exactement deux fois plus petit. Donc en fait c'est 11 blocs le 100k et c'est 22 blocs le 1 million. C'est le trophée des 100 abonnés du coup. Minecraft c'est compliqué d'écrire. Il y a un souci d'imprimerie ouais. Au moment où on tourne la vidéo là, je suis à 92 000 abonnés sur la chaîne secondaire. Wow, DHM, t'as pas touché au trophée, t'as pas encore. Bon les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez le trophée? Abonne-toi. Du coup là Kradok, on a vu celui d'Unchain. Toi t'es juste à côté, t'es voisin. Moi je propose d'aller voir le tien. Je suis un peu déçu du mien, je peux pas te mentir. Ah. Waouh. En fait j'ai voulu faire l'ancien, mais avec les vitres c'est trop moche. Ah oui, l'ancien. Mais non, mais à l'ancienne il y avait une grosse vitre, mais c'est pas beau les vitres sur Minecraft. Et là il y a des trous là. Non, il y a pas de trous. Regarde. Hop. Y'a pas de trop. Kradok, tu crois que je t'ai pas vu? De quoi? Pour ton petit remplissage de blocs là? Ouais, mais ça, justement, je l'ai fait et ça va saboter plus qu'autre chose. Donc, ça, c'est l'ancien trophée des 100k, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'essaie de faire le petit l'ancien logo YouTube aussi. Je vais vous demander de me suivre par en bas ici. Les gars, je vous présente le trophée des 1 million de DHM. Ouais! C'est DHN. Tiens, tiens, cadeau. Hop là. Ah, lui, il est smart. Ah, franchement, Kradok, il est smart. Hein. Donc là, c'est DH table. En dessous là, y'a le petit logo YouTube, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est le logo YouTube. Ah, c'est le logo YouTube, ça. Hey ça fait n'importe quoi, je trouve que t'as pas gagné cette manche parce que t'as fait n'importe quoi sur ton trophée là. Ok les gars, en vrai, vous devez mettre une note entre 1 et 3. Vous mettez quoi? Moi je pense Unchain il a gagné en vrai. En plus il a fait 2 trophées. Franchement entre DHM et Kradok les gars, c'est pas du tout serré. Moi je mets, tu sais, en étant honnête, je mets Unchain premier, toi deuxième et moi frère. C'est les vides, c'est trop, c'est pas beau les vides. Ok non, moi je mets Unchain premier. En vrai Kradok je te mets deuxième et moi je mets troisième parce qu'il y a un petit problème de relief. Ouais, il ressort un peu à l'arrière aussi. Par contre si Kradok tu triches encore une fois, je te mets dernier. Kradok, t'es arrivé deuxième, toi qui es deuxième au classement, ça va être à toi de choisir une petite construction. Let's go les gars! Première manche, win! Je dois faire un comeback, je veux pas payer les 1000 balles. Ok les gars, pour cette deuxième petite manche, vous allez me faire un petit toboggan aquatique. Je dis bien aquatique. Hein. Vas-y, good luck les gars. Bonne chance les gars, vous avez 10 minutes je le rappelle, trop dans 3, 2, 1, top! Les gars, on est directement parti. On va prendre déjà, regardez les gars, s'il faut un petit toboggan, il faut de la couleur. On va faire un toboggan arc-en-ciel. On va faire toutes les couleurs possibles. Ok les gars, on a 10 minutes pour faire un toboggan. Alors, en vrai, un toboggan, les gars, sur Minecraft, ça peut se faire. Juste, je sais pas comment. C'est quoi, on va faire partir le toboggan du mur. Et ici, on va faire une petite plateforme où il y aura du coup le début du toboggan. Ok, en vrai, les gars, j'ai une petite idée. Ça va être un toboggan multicolore qui va atterrir sur une piscine. Ce qui est cool avec les toboggans, c'est quand il y a de la couleur. Les gars, ça va être les 3 couleurs pour notre toboggan. En vrai, je trouve que ça fait vraiment bien. Ça fait hyper animé et tout. Et du coup, en vrai, les gars, on va commencer bah du coup par le toboggan. Ça va être le départ. On va faire un truc vraiment autre stylé. Pour moi, il faut toujours faire des trucs hauts. Si tu fais pas des trucs hauts, c'est pas stylé, tu vois. Voilà les gars. Et en gros on va devoir descendre petit à petit tout en changeant de couleur. Donc c'est là où c'est dur. Ok les gars, j'ai fait le petit toboggan. Il a littéralement aucune gueule. Mais du coup on va essayer de faire la même chose du coup ici en orange. Et ensuite on va faire la même chose pour toutes les couleurs. Et ensuite on va essayer de mettre un sol pour pouvoir rajouter de l'eau. Bah parce que sinon c'est pas un toboggan aquatique. Voilà, ça c'est le départ ça. Et ensuite là il faut qu'on fasse la descente. Alors le problème de faire une descente sur le jeu, c'est qu'il faut des escaliers. On va commencer un petit tournant. Ça va être comme ça. Ouais, ça me paraît bon les gars, et là ensuite on va descendre un peu. En vrai ça va les gars, je me débrouille pas trop mal hein. Allez on continue, là l'objectif c'est vraiment d'aller jusqu'en bas et après ensuite de faire une piscine. Ok, partie jaune terminée les gars, on va faire du coup la petite partie verte. C'est long, c'est très long à faire tous les toboggans les gars, j'ai fait toutes les couleurs, j'aurais peut-être pas dû. Et ensuite il va falloir que je me dépêche de mettre de l'eau, de faire une petite piscine etc, parce que c'est un toboggan aquatique, donc ce serait bien qu'il y ait un petit décor aussi à côté. Les gars, vu le build que Unchain a fait avant, je pense qu'il va faire un truc stylé, donc faut vraiment que je fasse un truc bien. C'est clean les gars. Oh ouais, donc là ils vont ouvrir et bam ils vont descendre. Pour l'instant les gars on est à 4 minutes, donc en vrai ça va. Faut juste que je prenne pas trop de temps non plus. Et en vrai les gars, là ça va être notre bassin je pense. On se fait un autre étage et ensuite on aura notre petit bassin. Donc là faut faire un cercle. Ok les gars, je vais avoir terminé le petit toboggan. Et attention, let's go, j'ai terminé tous les petits toboggans. Maintenant va falloir que je prenne du petit quartz et que j'en mette en dessous pour faire le sol du toboggan. Je sais pas du tout combien de temps il me reste, par contre c'est la merde ça. Mais c'est obligé de mettre ça pour la fluidité du jeu, non, ça rentre mal. Là ça va être carré de fou les gars. Là mon gars, je suis en train de faire un toboggan de ouf. J'ai envie de faire un petit décal sur le côté. Ok, il manque que ça les gars et on aura fini le bassin. On va quand même commencer par mettre l'eau au cas où il nous manque un peu de temps. Il nous reste les gars exactement 5 minutes pour finir. Pour le moment ça va hein, les gars, c'est pas mal stylé, ça a pas mal de couleurs. Là franchement je pense que j'ai moyen de gagner, mais c'est mon thème donc franchement si je gagne pas c'est un peu la honte les gars. On va prendre de l'eau mais et on va quand même mettre le toboggan. Est-ce que ça marche? Ok les gars, là on va remettre de l'eau. Là les gars on a le petit toboggan, let's go. On
Ok les gars, je vais avoir terminé. Let's go, j'ai terminé le toboggan. Je vais juste ici, hop, continuer avec du quartz. Et ensuite, on va essayer de mettre de l'eau les gars. J'espère que ça va marcher, j'espère. Attention, suspense, je vais mettre l'eau juste ici. Et attention, ok. Ok, ça a l'air de marcher. Let's go, ça marche. Hello les gars, c'est comment de votre côté? Franchement, ça se passe beaucoup mieux que prévu. Hein. Moi, je suis agréablement surpris de mes performances, je vais pas te mentir. Il reste combien de temps les gars? Il reste 3 minutes les refs. Oh my god. T'es pas bien là, Unchain? C'est la merde. Moi, en vrai, j'ai fini, je suis juste en train de décorer. Ah, j'avoue que si tu commences à décorer, c'est que t'es Gucci quoi. En vrai, je sais pas, enfin, pour moi, j'ai fait un truc bien, après, ça dépend. Bon les gars, on se revoit dans 3 minutes. J'ai toujours pas testé mon toboggan. Mon toboggan n'a toujours pas d'eau. Vous savez quoi, comme je suis un flexeur. Allez, je vais mettre ici une grande échelle. Comme ça, je pourrais leur dire carrément, les gars, si vous voulez, vous pouvez remonter quand est-ce que vous voulez. Allez, maintenant, on va tenter de mettre de l'eau. Oh la merde. J'ai pas pensé à ça, les gars. Et là, en vrai, ce que je fais, les gars, en vrai, c'est juste de la déco. Parce que là, j'ai terminé, quoi, les gars. Les gars, je reviens vous voir car il reste une minute avant la fin de l'épreuve. En vrai, tu sais que là, tu peux terminer maintenant. Hein. Unchain, c'est comment de ton côté? C'est un peu la merde, non, je vais pas te mentir, mon gars. Mais voilà, quoi. Et toi? Moi, j'ai fini. Et en plus, il reste que 10 secondes. 3, 2, 1, l'épreuve est terminée les gars, on lâche les souris. J'ai lâché. Vas-y hein, les gars, je vous laisse venir observer mon petit toboggan aquatique hein. Ok, en vrai il y a de l'idée de fou. T'as une petite échelle si tu veux monter tu vois. Waouh. Tu peux monter là et là tu peux faire la course avec tes potes. On peut faire la course et tout genre. Non, ouais. Fais une course les gars. Vas-y vas-y, 3, 2, 1, let's go. Wouh. What? Non, c'est DHK gagné. En vrai, je trouve super bien. J'ai pas fait le même style. Toi, c'est vraiment, il y a un truc qui va hyper vite, une petite course, tu vois. En vrai, pas mal. Vraiment stylé. Ok, les gars, vous voulez venir voir le mien? Vas-y, let's go. Oh, ouais, 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 de ouf. Alors, moi, je fais un truc moins grand, mais c'est dans la multicolorité. Wow. Ah, ouais. J'ai un nom pour le toboggan. C'est le Railroad Toboggan. Le quoi? Le Kwakubé. Je les ai eus les gars. Non en vrai j'ai vraiment pris le temps de faire de changer des couleurs à chaque fois et tout pour faire un arc-en-ciel. C'est le Rainbow Toboggan comme vous pouvez voir. En fait, j'aime bien le fait que ça tourne et il a vraiment une gueule de toboggan aussi. C'était vraiment galère à faire tourner les gars. Et là t'as le petit bassin. Et en fait c'est pas un toboggan individuel comme celui de Cradock. Ça vous savez les gars c'est les bouées que tu fais à 3 ou à 4. Ah ouais comme dans OK comme à Dubaï ouais. Et comment on fait pour monter, y a pas d'échelle? Non mais en gros t'es TP, c'est un mode de jeu. Attends une chaîne viens, je sais. Je nous mets une bouée. Monte dans ma bouée. Ouais. Ah oh, y'a mon trophée dégueulasse. Vous voulez voir le mien les gars? Non finalement on est bien avec celui de DH, on peut s'arrêter là. Oh, oh là 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 là. Non. Les gars j'ai trop galéré à faire les escaliers. Attends les gars, des échelles, tu montes des échelles comme ça. Ouais ensuite. C'est une fontaine ou un toboggan là? C'est du 2v2, c'est du 1v1. Le but c'est d'arriver en bas d'accord? Ouais. Il est pas très homologué je crois le toboggan là. Ouais ouais c'est un toboggan ultra dangereux. C'est quoi le nom de ce toboggan? La morve. C'était meilleur en trophée YouTube je trouve. En fait, j'aurais dû faire les contours jeunes, tu vois, les terminer, les contours jeunes. Et j'aurais mis des obstacles en bedrock au milieu pour pas se les prendre. Là, t'as plus besoin d'un plombier. C'était une petite bagounette, en fait, par rapport au fait que ça coule. Du coup, les gars, vote. Vas-y, vas-y, Cradock, commence, vu que c'est toi qui as choisi le petit thème. Honnêtement, franchement, c'est objectif, je veux être premier. Genre. Bah, en fait, DHM, toi, tu m'as dit que ton toboggan, c'était rainbow, et il est pas rainbow, du coup, je peux pas voter pour toi en premier, malheureusement. Il en manque de calcium, l'arc-en-ciel. Si tu veux, je te mets premier, moi deuxième, et Unchain 3. Moi franchement, moi je dis Cradock premier, DHM deuxième. Non en vrai j'avoue que le tien Cradock il est vraiment stylé. Je pense que t'as été plus intelligent parce que t'as fait un truc peut-être en structure plus simple. Le fait de tourner et tout c'était vraiment galère de fou. On voit qu'il a l'habitude, hashtag Fortnite. Si tu te mets de haut, c'est vrai que le tien est plus impressionnant. Du coup ouais, Cradock premier, moi deuxième et vas-y Unchained, vas-y. Soyez gentil, ça pas besoin de m'enterrer sous pied sous terre. Ok les gars, on va passer à ma construction. Et cette fois-ci, ça va être un truc beaucoup plus compliqué. Ça va être gars, un Sonic. Bah d'accord. Un Sonic. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. J'ai mon modèle Sonic, à toutes. Bon les gars, j'ai cherché mon petit modèle Sonic. Va falloir que je me dépêche parce que DH il en a un. C'est un Sonic 3D du coup. Ok les gars, j'ai pris un peu d'avance sur eux parce que j'ai mon petit modèle Sonic. Du coup Sonic, hein les gars, c'est du bleu foncé. J'ai besoin de bleu foncé les gars. On va prendre... Attends, c'est quel bleu? Y a pas bleu normal, y a bleu foncé, bleu clair. Ok, en vrai c'est bleu foncé. Sonic c'est quelle couleur? C'est bleu, blanc et rouge. Donc ici, on prend de la laine bleue. Y a pas un pire. Voilà, béton bleu. Donc là, les gars, ça va être le moment le plus important parce qu'il faut vraiment pas que je me trompe sur les dimensions. On a la structure de la petite chaussure de Sonic. Par contre, ça me paraît un peu court. C'est vraiment 1, 2, 3. Ouais, c'est 1, 2, 3. Ok. Le plus important, c'est vraiment le début, les gars. Parce que si on se trompe au début, c'est la mouise, comme on dit. Du coup, là, les gars, ce qu'on doit faire, c'est faire un petit escalier à l'avant pour les chaussures, en fait. Tu vois, pour que. En fait, les gars, ce qu'on va faire, c'est pas un Sonic en 2D ou quoi. On va vraiment essayer de faire un Sonic avec du relief, tu vois. Comme ça, on va essayer de gagner parce que j'ai vraiment pas envie de donner les 1000 euros, les gars. Ok, les gars, regardez, j'ai déjà fait un bras de Sonic.
Il va falloir que je fasse le deuxième bras. En vrai, je prends du temps. Il y a peut-être moyen que j'arrive à gérer. Hein. Ensuite, les gars, on doit faire le petit bidou de Sonic. Du coup, là, le ventre, les gars, il faut qu'il ait du relief. Donc, pour le ventre, c'est simple. On va jusqu'ici, comme ça, pour le bas. En vrai, les gars, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Ce qui va être dur après, les gars, c'est vraiment la tête. En vrai, les gars, pour le moment, ça rend pas trop mal. Hein. Ça rend pas trop mal. Il suffit juste que je le termine et ensuite, il sera pas mal, le Sonic. Hein. Ok, donc là, normalement, les gars, on a les bras de Sonic. Je suis actuellement en train d'essayer de continuer le Sonic, les gars. C'est un petit peu chaud, je vais pas vous mentir. Là, les gars, on va attaquer le visage de Sonic, c'est le plus important. Les gars, vous préférez qui entre Mario et Sonic? Dites-moi en commentaire. Moi, en vrai, je préfère Mario, je pense. C'est plus joué à Mario. Oh, le bâtard, il est incroyable là-bas. Comment il a fait ça en 3D? Oh, il est en 2D. Voilà. Ouais, ça commence à prendre forme, les gars, je suis content. On va lui mettre sa petite coupe. Et Sonic, je crois, on dirait qu'il a une calvitie. Hein. Les gars, ça se passe comment de votre côté là? C'est un peu la crise, je vais pas te mentir. Il reste combien de temps? Il reste 5 minutes maintenant. Oh, ça va. Ok, bah les gars, en fait, il reste 5 minutes. Je suis archi large. Les gars, là, ce qui est vraiment très dur, parce que là, on commence à voir le Sonic, ça va être le crâne, les dimensions et tout. Je suis galère, les gars. Ça le fait. Là, ce qui va être dur, les gars, c'est de faire l'arrière de la tête. Et Sonic, si je dis pas de bêtises, c'est un triangle qui descend. En gros, là, les gars, l'objectif, ça va être de faire le crâne de Sonic, tu vois. Ok, les gars, j'ai fait un petit cercle. Je vais essayer de lui faire un effet stylé. Je vais essayer ensuite, les gars, regardez, de rajouter du vert comme ça pour donner un effet stylé au petit anneau. Ça va lui donner un peu de relief et tout, donc ça va rendre un peu stylé. Et voilà, en vrai, j'aurais fait le petit Sonic. Là, honnêtement, les gars, je crois que j'ai gagné la vidéo parce que là, je vois pas comment il pourrait faire un meilleur Sonic que ça, les gars. En vrai, si on fait ça, les gars, c'est bon, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est carré de fou. Les gars, regardez, je suis en train de build et regardez ce que je vois à droite. Je vois un pixel art de Unchained. Je le vois d'ici, en fait. Même lui, il voit mon build, en fait. Allez, on a fini ça, les gars. On va essayer d'aller assez vite pour le reste. Ok, là, en vrai, j'ai bien fait mon anneau. Non, les gars, il est trop stylé. Regardez l'anneau que j'ai fait. Honnêtement, j'aime trop ce que j'ai fait là. Je suis trop content. Vous savez quoi, limite, je vais essayer de faire un deuxième anneau. Je reviens vous voir pour vous dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps. 1 minute 30. Ça va, ça le fait, mec. Ça le fait. C'est clean. J'espère que personne a trouvé l'exemple que j'ai trouvé sur internet. Non, mais c'était un ouf, moi, à trouver l'exemple. Après, moi, je vais pas te mentir. Je me suis peut-être spoil une construction et peut-être Unchained aussi. À peine. On se voit pas du tout totalement build de là où on est, quoi. Moi, je pense que je suis pas trop mal, frérot. Ah, je suis content de fou, les gars. Facile là, les gars. Non, je suis désolé, mais vous allez perdre là, les gars. 3, 2, 1, les gars, c'est terminé. Wouh. Ok, mec, j'ai fait mon max. Franchement, je me suis pas arrêté. Gros, moi, je suis tellement content, moi. Oh, et c'est DHM hyper. Vas-y, on va chez toi, DHM direct. Vas-y, venez, les gars. Oh, je crois que t'as le même modèle que moi. Mais je crois que je l'ai mieux fait, moi. Mais non, n'importe quoi. Waouh, DHM. Mon petit Sonic, les gars. Voilà, vous en pensez quoi? Il a l'air d'être un peu genre droit, mais c'est clean de ouf. J'ai fait même les cheveux, le relief, les petites oreilles qui sortent du casque, bien sûr, parce que de sa capuche. Et non, en vrai, c'est stylé, hein. On a fait le même, du coup, viens, on va chez Unchained direct. Alors, venez, les gars, venez voir. Vous êtes prêts, les gars? Alors, moi, il faut se mettre dans un endroit précis. Oh, stylé. L'étoile d'araignée, ça rend trop bien. Maintenant, les gars, mon petit bulle qu'on voit déjà là-bas, let's go. Il a pas mis les lacets en or. Et ah, il vient de rajouter la queue, je viens de le voir. Les gars, c'est tellement serré, vous deux, je sais pas. J'ai l'impression que. Je sais pas, frère. Regarde les anneaux, comment ils sont aussi. Il a pas fait d'anneaux, hein, DH. En vrai, attendez, j'étais dernier. Unchained était deuxième, Cradock premier, c'est ça. Du coup, là, c'était la dernière manche, les gars. Les gars, non, attendez. Moi, je propose, c'est les abonnés qui choisissent en commentaire pour la dernière manche. Parce que si j'arrive premier, je paye pas les 1000 euros. Votez pour moi en commentaire, votez DHM. Votez Cradock, les gars. Les gars, s'il vous plaît, je vais pas vous donner 1000 euros. Votez pas DHM, les gars, votez pas DHM. Bon, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en compagnie de Cradock et Unnamed. Tu m'appelles pas Unnamed. Les gars, c'était ma deuxième vidéo Minecraft. Et en vrai, je kiffe le jeu. Je kiffe Build en tout cas pour l'instant. Merci pour l'invite, frérot. Et abonnez-vous pour qu'il ait le trophée des 100K. Et je vous dis, les gars, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, les gars. Et votez DHM.